c'est évidemment la somptueuse fête donnée par le puissant César en l'honneur de la divine Cléopâtre. Ce spectacle restera dans les annales de Rome comme un des plus grands événements du règne de César. Laissez passer le puissant César! Il est armé! Eh ben je dis qu'on devrait profiter que César est là pour lui faire savoir qu'on en a marre. Il faut désigner un responsable. Un homme à poigne, qui a pas froid aux yeux et qui va aller lui dire là-haut. J'ai pas de client parce que je suis moins con que toi, moi! Je m'arrête à midi pour aller bouffer! Tu peux pas m'en dire ça un peu? Pour voir si ça me fâche. Je vais me gratter. Tu crois que tu me fais peur, gros sac? Gros sac, quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est cet abruti qui bloque la rue depuis une heure! Oublie comme. Tu veux pas lui expliquer que les courses de chasse, c'est tous les dimanches au cirque? Mais je vais t'y emmener au cirque! Mais toi, tais-toi, hein! Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici le cirque de Harat-Loukoum, où dans quelques instants, nous allons vous transmettre en direct les jeux du cirque offerts par le tout-puissant César, maître incontesté de l'Occident, à la divine Cléopâtre, reine d'Égypte, 1m72, 47 kilos, fille d'Aménophistophélète de la 18e dynastie et de son épouse Étorsis. Centurion, décurion, garde! À moi, arrêtez-le! C'est un voyou qui veut m'assassiner! Arrêtez-le! Ah oui, arrêtez-le! Au cachot! Excusez, c'est pas moi, monsieur César, je vous assure! Au cachot, au cachot, à l'arrêt! Au lion! Ce que César vous promet depuis des années, je viens de l'obtenir! Non seulement la voile sera plus chère, mais vous en aurez moins!